Interdiction des sachets plastiques prévue pour prendre fin ce samedi, le délai prorogé, c'est finalement dans 6 mois. Mais avant cette date, quelle est la réalité sur le terrain? La réponse dans quelques instants. $780 millions de francs CFA pour la prise en charge des femmes. Cette volonté du gouvernement vise à encourager l'entrepreneuriat féminin afin de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le dossier du nucléaire iranien, les grandes puissances à Genève pour la dernière ligne droite. Des discussions en cours en ce moment avec Téhéran pour obtenir un accord d'étape sur le programme nucléaire iranien après 10 années de vaines tentatives. Aujourd'hui, samedi 23 novembre, bienvenue à tous dans le 13h. Prévu pour prendre fin ce samedi, le délai d'utilisation des sachets en plastique a été prolongé jusqu'à 6 mois. Les sachets plastiques, vous le savez, sont remplacés désormais par des sachets dits biodégradables. Quelle est la réalité sur le terrain? La réponse dans cet élément que vous propose Serge Gongomé dans un commentaire de Herman Nyamia. Nous sommes dans un supermarché à Abidjan. Ici, les sachets plastiques ont disparu. Le supermarché est passé au biodégradable. L'aspect physique est comme les sachets ordinaires que nous voyons. La composition chimique montre que ce sont des sachets qui sont recommandés pour être détruits, même quand c'est déjà gâté. Et là même, au niveau des caisses, nous allons faire des emballages avec des manches. Au niveau du pain, quand les emballages sont en plastique, le pain se ramollit avant même d'arriver à la maison. Une nouvelle donne que les clients devront désormais intégrer. Certains apprécient déjà. On doit préserver tout ce qui est côté environnemental, tout ça, on doit préserver. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a certains pays africains qui le font, tels que le Rwanda. Une bonne idée, certes, mais ailleurs, elle n'enchante pas. Ils sont encore nombreux, ces commerçants qui traînent les pas. Là, nous ne savons pas où mettre les produits cosmétiques parce que les sachets vont être supprimés. On n'a pas encore reçu de sachets biodégradables. On ne sait pas si c'est sur le marché ou bien ce n'est pas encore sur le marché. Ils ont encore 6 mois pour opérer le virage du plastique au biodégradable. Le gouvernement a décidé de repousser la date butoir, initialement prévue ce 23 novembre à mai 2014. La Côte d'Ivoire a reçu le feu vert du système international de certification pour le commerce du diamant, le processus de Kimberley, pour que l'ONU lève son embargo imposé en 2005 sur la vente des diamants du pays. L'instance internationale visant à assurer que ces pierres précieuses ne financent pas des conflits a exprimé son soutien aux efforts du gouvernement ivoirien pour se conformer aux exigences du processus de Kimberley dans le cadre de sa stratégie pour remédier aux difficultés institutionnelle, légale et politique qui avait conduit l'ONU à imposer un embargo. La Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire célèbre à Yamoussoukro son cinquantenaire en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le thème de ce cinquantenaire, quelle contribution de la jeunesse pour une Afrique émergente? Les détails avec Alvaro Assa. 50 années d'existence, cela se fête, et c'est ce que fait la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Un jubilé d'or autour du thème « Quelle contribution de la jeunesse pour une Afrique émergente ?» Le président national de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, Diabaté Lassina, et la présidente mondiale, Chiaria Milani, ont rendu hommage à leurs prédécesseurs et soutenu que la Jeune Chambre internationale travaille pour l'émergence du continent africain. L'administration publique, le secteur privé, la société civile ont tous bénéficié et continuent de bénéficier des résultats de l'engagement des membres de Jeune Chambre. Aujourd'hui, avec 1200 membres et 36 organisations locales, la JCI Côte d'Ivoire est l'une des plus anciennes et plus grandes organisations nationales de l'Afrique. Elle est la locomotive de l'Afrique francophone de l'Ouest. Pour le président de ce cinquantenaire, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, avec le dévouement des membres des GECIS, la relève est assurée et ils peuvent contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Il n'est de richesse que d'hommes. En effet, le capital humain est la première richesse de tout pays. Dans ce cadre, je crois profondément que la Jeune Chambre
internationale et par excellence une véritable école de formation au leadership. Une école qui aiguise le sens de la responsabilité de ses auditeurs. Une école qui enseigne la recherche permanente de la rigueur, de l'efficacité et de l'excellence. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que des centaines d'hommes et de femmes de tous les continents aient trouvé dans la jeune chambre internationale un cadre idéal d'acquisition de connaissances et de développement des qualités qui leur ont permis par la suite d'accéder à la notoriété nationale ou internationale. Avec ce cinquantenaire, les Jessies ivoiriens, soutenus par certains de la sous-région et la présidente mondiale, Chiaria Milani, vont réfléchir au rôle des Jessies dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire et au-delà du continent africain. Le gouvernement ivoirien est engagé à redonner vie aux eaux. Des travaux pour réhabiliter cet espace sont en cours. Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan était sur les lieux pour apprécier ce qui a été déjà fait et surtout marquer la détermination du gouvernement ivoirien à donner un nouveau souffle aux eaux d'Abidjan qui, du fait de la crise qui a traversé le pays, était un peu à l'agonie. Rappelons que la réhabilitation du eaux d'Abidjan coûte 300 millions de francs CFA. Le Fonds national Femmes et Développement a été réactivé par le gouvernement. 780 millions de francs CFA ont été injectés pour la prise en charge des femmes. Cette volonté du gouvernement vise à encourager l'entrepreneuriat féminin afin de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Une convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et les structures partenaires en charge de la gestion. Le point avec Mamadou Kouassi. Mariam Bomba, ménagère de son état, s'est investie dans le commerce de beignets afin de subvenir à ses besoins personnels ainsi qu'à ceux de sa famille. Son rêve, disposer d'importantes ressources pour améliorer ses affaires. Ça fait 5 ans que je vends les galettes ici. Ça ne marche pas. Donc il veut que l'État n'a qu'à m'aider. Comme Maria Bomba, elles sont nombreuses, ces femmes qui attendent le soutien de l'État de Côte d'Ivoire pour améliorer leurs conditions de vie. Un vœu qui va se réaliser dans quelques semaines. État réactive le Fonds national Femmes et Développement avec 780 millions de francs CFA. Une initiative du gouvernement pour encourager l'entrepreneuriat féminin. En nous engageant dans ce projet, nous ambitionnons de faire reculer l'extrême pauvreté et la précarité dans notre pays, prescrites dans les objectifs du millénaire et du développement. Pour gérer ce fonds, 10 structures de microfinance sélectionnées pour accompagner les femmes dans leurs différentes initiatives. Le prêt est accordé à un taux d'intérêt relativement faible par rapport au prêt que nous accordons habituellement. C'est un taux d'intérêt annuel de 12%, alors que les prêts généralement tournent autour de 20%. Pour cette première phase, priorité est faite aux femmes de l'intérieur du pays qui bénéficient de 54% du budget global. Internet, un outil pour faire la promotion du tourisme et faciliter les formalités pour la destination Côte d'Ivoire. Cela est désormais possible avec le e-visa ou le visa biométrique. L'enrôlement se fait directement sur Internet. Adama Kone, reportage. La Côte d'Ivoire facilite l'ouverture de ses portes aux demandeurs de visa. Les technologies de l'information et de la communication sont désormais mises au service du traitement des dossiers. Les voyageurs le souhaitant n'ont plus à effectuer le déplacement de l'ambassade. Voyage au cœur de ce nouveau système baptisé e-visa ou visa biométrique. Tout demandeur de visa, à partir de son salon ou de son bureau, ira sur le site gouvernemental Visa, faire une demande de visa. Avec ce pré-enrôlement, il pourra venir à l'aéroport pour se faire délivrer son visa. Évidemment, avant de se faire délivrer ce visa, la demande de pré-enrôlement qui est faite vient au niveau de la base de données de la DST, Direction de la Surveillance Territoire, qui, elle, rapidement fait un contrôle pour s'assurer que le demandeur de visa n'est pas recherché soit par Interpol, soit par tout autre pays, et autorise donc la délivrance de visa quand la personne arrive en Côte d'Ivoire. Ceci obéit donc à deux préoccupations du gouvernement. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, le ministère du Tourisme se plaignait du fait que ce soit un grand parcours pour les demandeurs de visa pour obtenir le visa de Côte d'Ivoire. Le président et le plus, son gouvernement, ont considéré que nous devions donc mettre en place ce nouveau système. La procédure sera opérationnelle dans une semaine. Le coût d'une demande de visa biométrique est de 70 euros, soit 45 900 francs CFA.
Après le Sénégal, le Kenya et l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire est le quatrième pays africain à adopter le e-visa, un autre élément de séduction pour la destination Côte d'Ivoire. Utiliser les applications informatiques comme outil d'organisation, de planification, de suivi, évaluation, de gestion efficace de projets. Une formation initiée sur le sujet par le Centre de formation du Bureau national d'études techniques et de développement BUNET, Paten Assemian Maïsako, pour plus de détails. Depuis presque un an, le Centre de formation du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET, est devenu la source de suivi et de conception des grands projets de l'État. Nous sommes actuellement en atelier. Disons, il y a une équipe de projet qui est en train de travailler sur l'adduction en eau potable de la localité de Kékéréni. Kékéréni est un gros village de 2000 âmes situé dans la commune d'Assuéfri, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ce village souffre d'un problème d'adduction en eau potable. Il est plus qu'opportun qu'une solution soit trouvée. Et cela part de la conception du projet jusqu'à sa réalisation. Les logiciels Project et Sphinx sont aujourd'hui les outils les plus adaptés au marché des projets. C'est l'exercice auquel étaient soumis les participants à ce séminaire. Une fois le projet approuvé et adopté, arrive la phase du financement. C'est parfois à ce stade que l'on note les difficultés de gestion des contrats et des décaissements. Quelques petits soucis, continuant ce journal. Agboville a abrité récemment un atelier visant à définir une stratégie pour les ressources animales et halieutiques. Il s'est agi au cours de cet atelier qui a réuni le ministère des ressources animales et l'ANADER de définir des axes stratégiques d'action de l'ANADER susceptibles de concourir à une amélioration des performances de son appui aux ressources animales et halieutiques. Hervé Blé. Il s'active pour la mobilisation. Les différents syndicats, associations et clubs d'étudiants ont décidé de fédérer leurs énergies pour réserver un accueil mémorable à l'illustre hôte dont le nom est dédié à leur institution. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Nous voulons aussi témoigner notre reconnaissance au chef de l'État pour sa vision rénovatrice et moderne des universités ivoiriennes. À cet effet, et pour célébrer l'homme d'État, père fondateur de l'Université de Boaké, les étudiants souhaitent une visite à l'Université Alassane Ouattara ainsi qu'une rencontre avec le chef de l'État lors de son séjour ici à Boaké. Pour Konaté Moussa, cette grande mobilisation vise à remercier le président de la République pour ses efforts consentis quant à l'éveil de l'école ivoirienne. Le conférencier a aussi souligné que cette mobilisation vise également à démontrer au chef de l'État qu'à Boaké, l'université est pacifiée. Depuis une semaine, le comité de mobilisation mis en place sillonne tous les amphis et les grandes écoles de la région pour passer le message. Ce comité compte mobiliser au moins 10 000 étudiants et suivre le chef de l'État dans les villes qu'il aura à visiter. Nous étions plutôt à Boaké où les étudiants attendent avec impatience l'arrivée du chef de l'État ce lundi. La qualité de la gestion administrative des personnels du système scolaire, un défi pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour atteindre ses objectifs. Un séminaire de formation a été initié à travers sa direction des ressources humaines. Les bénéficiaires des chefs d'établissement et des adjoints au directeur de CAFOP en vue de renforcer leurs capacités professionnelles, nous dit Chantal Akandon. Insouffler une dynamique nouvelle dans le système éducatif, c'est le cheval de bataille du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Depuis l'année scolaire 2012-2013, un vaste projet de formation continue est entrepris à l'endroit des acteurs du secteur. Objectif : améliorer les qualités de la gestion du personnel d'encadrement scolaire, d'où ce 10e séminaire préparatoire de mise en stage des chefs d'établissement et des adjoints au directeur de CAFOP. Si nous voulons relever le défi de l'excellence dans l'ensemble de nos structures, la formation continue, dis-je, doit redevenir l'épine dorsale de notre système. Présent à cette rencontre, le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale a rappelé toute l'importance que revêt cette formation qui s'inscrit dans la continuité de l'excellence. La qualité de l'éducation doit émaner
de la bonne gestion des ressources humaines. Il est vrai que le chemin à parcourir pour atteindre l'objectif final est encore long. Il est aussi vrai que nous ne pourrons espérer l'atteindre un jour que si nous nous mettons au travail dès aujourd'hui. Les bénéficiaires de cette formation se réjouissent de leur participation et entendent mettre à profit ce renforcement de capacité. Cette formation, nous l'attendions depuis parce que vraiment, dès le début, nous sommes rendus compte qu'elle pourra nous aider à faire mieux, à bien gérer l'école et à faire de notre école une école de référence. Je suis chargé d'aider les stagiaires dans la confection des emplois du temps. Et cela requiert de l'expérience. La formation continue vient reprendre tous ses droits dans le secteur éducatif afin d'améliorer le rendement des acteurs du système. Les enfants des producteurs d'Amelekia ont reçu récemment des kits scolaires. C'est un don du conseil Café Cacao qui a décidé d'apporter son appui à la scolarisation des tout-petits. Thérèse Tapeyoboué. Ce sont plus de 400 kits scolaires qui ont été remis aux enfants des producteurs de café cacao regroupés au sein de la COPAM, la coopérative agricole à Manié d'Amelekia. Selon le délégué régional du conseil café cacao d'Abangourou, cette action vise non seulement à réduire les charges scolaires des producteurs, mais aussi et surtout à apporter une solution au problème du travail des enfants dans les plantations de cacao. Il a par ailleurs transmis les félicitations de ses supérieurs hiérarchiques aux membres de la COPAM pour le travail abattu tout en les encourageant à produire davantage du cacao de bonne qualité afin de continuer de bénéficier des appuis de la structure en charge de la gestion de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Les porte-parole des enseignants de la chefferie traditionnelle ont relevé l'opportunité de ce don qui constitue un véritable soulagement pour plusieurs parents d'élèves qui, plus d'un mois après la rentrée des classes, n'ont pu procurer la moindre fourniture scolaire à leur progéniture. Agboville a abrité récemment un atelier visant à définir une stratégie pour les ressources animales et halieutiques. Il s'est agi au cours de cet atelier qui a réuni le ministère des Ressources animales et l'ANADER de définir des axes stratégiques d'action de l'ANADER susceptibles de concourir à une amélioration des performances de son appui aux ressources animales et halieutiques. Le point avec Hervé Blé. Les filières des ressources animales et halieutiques sinistrées du fait de la crise qu'a traversée le pays sont insuffisamment prises en compte par les programmes de développement mis en œuvre par l'ANADER, une donne qu'il est question de changer. Ont donc été envisagées des mesures concrètes capables de favoriser les interventions de l'ANADER en faveur du monde des ressources animales et halieutiques. L'urgence de la situation l'impose. Je tiens à rappeler que la situation de la sécurité alimentaire en protéines animales de notre pays reste préoccupante et continuera à se détériorer si des mesures appropriées ne sont pas engagées réellement sur le terrain. Au nombre des défis à relever, la modernisation et l'intensification de l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Pour y parvenir, il est recommandé à l'État de mettre en place un mécanisme de financement pérenne au profit du secteur des ressources animales et halieutiques. Il est également recommandé de mettre en place une fiscalité adaptée et d'en assurer la diffusion auprès des éleveurs, des pêcheurs et des aquaculteurs. Le séminaire sur la définition des stratégies d'intervention de l'ANADER recommande à l'ANADER elle-même de dynamiser ses actions dans le secteur des ressources animales et halieutiques. Le Conseil constitutionnel a tenu un point de presse pour donner des informations sur la célébration de la semaine du Conseil constitutionnel. Elle aura lieu du 3 au 5 décembre prochain. Sidonie Davila et Chantal Akandon. Le Conseil constitutionnel est un organe de l'État. Il vérifie la conformité des engagements internationaux et des lois organiques à la Constitution. Cependant, cette institution n'est pas du tout ou peu connue de la population. Le Conseil constitutionnel, je ne maîtrise pas trop. Je ne connais pas. Les députés doivent se rassembler pour juger un degré en tout cas. Le Conseil constitutionnel, pour moi, c'est une institution de l'État
qui joue un rôle de légifération. Il a donc été institué la semaine du Conseil constitutionnel qui s'étend cette année du 3 au 5 décembre 2013. Une semaine donc pour communiquer et faire connaître cet organe dans son ensemble. Selon le conférencier Ouraga Obou, la semaine du Conseil constitutionnel comprendra une série de rencontres de cette institution avec divers corps de métier, notamment les parlementaires, les journalistes, les étudiants, les enseignants et la société civile. Le professeur Ouraga Obou a par ailleurs souhaité que chacun prenne part à cette semaine de la Constitution. Et en culture, la 5e édition du Festival du cinéma Droit libre, un festival autour de films engagés pour la cause des droits de l'homme et de la liberté d'expression, a débuté mercredi dernier. Ce festival va durer 3 jours et cette année le thème est « Les droits de l'enfant ». Franck Ouadio pour plus de détails. Le Festival international de projection plein air FIPA est le dernier né des festivals cinématographiques. L'initiative est de l'Union des maisons de production et producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, UMAPROCI, en collaboration avec l'Association des anciens stagiaires de l'Agence de coopération japonaise. Une conférence de presse alors pour présenter l'événement. Nous faisons un festival avec un certain nombre d'ateliers, mais nous allons faire des réflexions même sur la politique cinématographique et puis aussi sur la technique de la cinématographie. L'objectif final, c'est que nous voulons beaucoup de festivals pour que les Ivoiriens s'intéressent au cinéma, mais aussi les hommes politiques pour qu'ils s'intéressent à notre secteur. Et puis après, en dernier ressort, les financiers pour qu'ils sachent que le secteur il est bon, il est promoteur, donc on peut le financer. Le FIPA a pour but de susciter l'intérêt des populations pour le grand écran. Un événement annuel au cours duquel seront projetés tous les genres de films dans les espaces publics. Il n'y aura pas de thématique type et comme la première édition, il n'y a pas de compétition, tous les genres seront acceptés. La première édition du FIPA se déroulera du 31 janvier au 8 février 2014 dans 7 communes de la Côte d'Ivoire avec la participation de cinéastes africains, européens et asiatiques. Le peuple Ano de Tétessi dans le département de Pricro vient de célébrer l'Anaya ou fête de l'IAM, une célébration placée sous le signe de la paix, de retrouvailles et de développement pour la localité. Thérèse Tapeyoué. L'Anaya ou fête de l'IAM marque chez le peuple Ano de Tétessi dans le département de Pricro le premier jour de l'an. La fête de l'IAM est célébrée les vendredis, jour déclaré saint, dans le respect des valeurs culturelles, avec en prime l'adoration des tabourets ancestraux et la préparation mystique des guerriers du village. Tout cela après l'immolation d'un bélier en offrande aux esprits protecteurs avant que le chef ne soit autorisé à goûter à la nouvelle igname. Autre étape de cette fête, l'offrande de la purée d'igname ou le foufou blanc et le foufou rouge au génie. Ensuite, l'épreuve de courage des guerriers du chef. Cette épreuve consiste à saisir une tranche d'igname dans une marmite bouillante et à la manger sans exprimer sa douleur sous peine de sanction. Depuis l'avènement de Nana Kissi à Moabilé II, à la tête du village, la fête de l'igname a pris une allure de retrouvailles de tous les fils et filles. C'est aussi l'occasion de relever les difficultés de la localité, notamment la dégradation des pistes villageoises, l'inexistence d'électricité, le manque d'eau potable. Malgré ces quelques difficultés, la fête de l'Igname à Tétessi a été une réussite totale. Et en pays Haï, la fête de l'IAM occupe une place importante dans la gestion de la société. Ces festivités, à la fois physiques et spirituelles, sont tenues par les Komiens ou encore danseuses traditionnelles, nous dit Kwasi Mamadou. Purification et exorcisation faites par les Komiens, danseuses traditionnelles du Centre de recherche et d'études de spiritualité africaine pour bénir la nouvelle année. Une nouvelle année qui commence avec la fête de l'Igname. Nous sommes à Tangulan, la cité des 9 collines dans le département d'Agnimbi-le-Kon. Après les récoltes, les populations expriment leur gratitude aux manes qui leur ont permis cette abondance. La célébration de la fête de l'Igname à Tangulan a été l'occasion pour le professeur Amoa Hubin de se prononcer sur le sens de la fête de l'Igname.
Selon lui, le tubercule a sauvé des peuples lors des différentes guerres d'installation intervenues au XVIIIe siècle. Il soutient également que cette célébration est à la fois physique et spirituelle, d'où l'intervention des Komiens. Le spirituel est en harmonie avec le pouvoir. Il ne peut donc pas y avoir dans l'organisation sociale un roi, un chef, sans les Komiens, sans ces garantes des civilisations anciennes. Donc, elles sont la symbolique de la spiritualité. De ce point de vue, elles méritent une attention particulière et que leur présence ne soit pas un obstacle à la manifestation de l'expression des autres religions. Il faut savoir d'où nous venons pour pouvoir mieux aller où nous voulons aller. Pour les cadres, la tradition doit renforcer l'unité et la solidarité du peuple ivoirien pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le professeur Nyangorambo l'a dit, Sankofa, ça dit qu'il faut retourner pour aller prendre ce qu'il y a de meilleur et l'amener dans le présent. C'est ça. Moi, ma passion, c'est de chercher à savoir ce qu'il y a de meilleur dans notre tradition pour l'adapter et l'appliquer aux situations que nous vivons. Désormais, la célébration de la fête de l'Igname dans le Diablin sera un festival dans ce royaume, à l'image des grands festivals qui se tiennent dans le monde. Et hors de nos frontières, commençons déjà par quelques brèves. Les Mauritaniens votent depuis ce matin pour des élections législatives et municipales. Élections boycottées depuis 2006 par une partie de l'opposition, dont les deux principaux enjeux seront le taux de participation et le score du parti islamiste Tewassoul. Les Maliens, eux, votent demain pour les législatives. 410 listes pour 147 sièges à l'Assemblée. Plus de 6 millions d'électeurs sont concernés pour le premier tour des élections législatives, des élections placées sous le signe d'une démocratie à la malienne. Rappelons que la campagne électorale a pris fin vendredi à minuit. Il est aussi question de législatives en Guinée. Les résultats sont connus depuis le 28 septembre dernier. Le parti d'Alpha Condé est arrivé en tête, ce que l'opposition conteste, mais Alpha Condé veut dépasser le débat sur cette élection. Regardez. Depuis la proclamation des résultats définitifs des législatives par la Cour suprême guinéenne, la situation est tendue sur la scène politique. L'opposition proteste contre ce qu'elle appelle un hold-up du pouvoir. Elle a appelé à une journée ville morte le 25 novembre. Son porte-parole affirme avoir saisi le secrétaire général de l'ONU. Nous allons réaffirmer notre refus d'accepter ces élections truquées. Nous allons réaffirmer toutes les fraudes, toutes les imperfections. Nous allons rappeler tout ce qui a fait que ces élections législatives ont constitué pour nous une véritable mascarade électorale. Et nous allons joindre à ce courrier une documentation suffisamment fournie pour attester de la véracité de nos accusations. En visite en France, le président guinéen Alpha Condé a balayé d'un revers de main toutes les accusations de fraude massive. Pour lui, pas question de remettre en cause le résultat des élections. Pour moi, la page est tournée, on a fait les élections. Le peuple guinéen s'est mobilisé à 80%. Il n'y a pas eu un seul incident sur l'ensemble du territoire. Maintenant, la page est tournée, le débat c'est au Parlement. La Guinée a perdu la notion de l'État, de l'autorité de l'État. Nous allons respecter les libertés démocratiques, mais nous allons aussi protéger les populations et leurs biens. Alpha Condé en a profité pour prévenir l'opposition. Il n'acceptera pas la pagaille. Samedi dernier, l'annonce des résultats définitifs avait provoqué des manifestations dans les rues de Conakry. Le gouvernement craint des débordements lors de la journée ville morte que l'opposition veut organiser lundi prochain. Et puis en bref, l'Égypte expulse l'ambassadeur de Turquie après plusieurs jours de joute verbale. Les tensions entre l'Égypte et la Turquie sont montées d'un cran. L'Égypte a en effet expulsé l'ambassadeur de Turquie après les propos du premier ministre turc. M. Erdogan avait dénoncé les nouvelles autorités égyptiennes de mener une répression à l'encontre des islamistes. La Turquie a promis des mesures de réciprocité.
Et enfin, le dossier du nucléaire iranien, l'espoir réel d'un nouvel accord à Genève. C'est peut-être un accord historique qui va être signé au bord du lac Léman à Genève. Les négociations sur le nucléaire iranien sont en bonne voie. Les chefs de la diplomatie de six grandes puissances sont réunis en ce moment pour peser de tout leur poids dans la dernière ligne droite des discussions avec Téhéran et obtenir un accord d'étape sur le programme nucléaire iranien après 10 années de vaines tentatives. Et c'est la fin de ce 13 heures supervisé par Sylvie Touré. Merci de votre fidélité.